Eh bien oui, bienvenue en direct pour ce lundi 5 mars et le cinquième jour, il leur dit. Bon, dans la boîte à Pandore, il y a toujours ma tête de mort vivant lent, lent d'ange. Mais il y a du nouveau. Message de la cousine, pour ça que j'ai répudié. Moi, j'avais rien mis sur le frigo, j'avais dit. Protocole de merde, arrêtez de jeter mes périmés, moi je suis là tous les jours. Enfin, j'ai pas mis ça, mais j'ai dit protocole de merde. Bon, ok. Enfin, parce que la date elle est passée, qu'il faut le jeter, c'est encore très bon. Faut arrêter les conneries maintenant, on pourrait nourrir la planète entière. Alors, maintenant vous me faites chier. La cousine, là, la 2% Sainte-Cécile, elle commence à me gonfler aussi. Cher Christophe, ta grossièreté de naze, tu peux te la garder, ok. Ici, c'est chez maman, non chez toi, tu viens un peu trop souvent. Moi, je suis là tous les jours, petite conne. Je sens la perte de te supporter tes sautes d'humeur. J'ai fermé les yeux sur certaines choses jusqu'à présent, compte tenu de ta situation et de la compagnie que tu apportes à maman. Genre, c'est ma mère qui te nourrit alors que je bouffe mes périmés depuis 2011. Tu commences à me gonfler, Cécile. T'as déclaré la guerre, là. Si tu menaces à nouveau quelqu'un, reste de personne qui sait cacher les fromages de chèvre. Tu crois te faire un rôti? Non, tu crois te faire les fonds d'artichaut aux chèvres? Ah bah, il n'y a plus de chèvres. Tu crois te faire le rôti aux feuilles de la Drôme, d'herbe de Bernard? Il y a du thym, il y a du laurier, et du... je sais plus quoi. Bref, c'est bon, ça m'a gonflé. Si tu menaces à nouveau quelqu'un, que tu injures à nouveau... Mais mange tes morts, toi, putain! Ou que tu me prends la tête... Tu me prends la tête? Je ferai en sorte que tu ne viennes plus jamais chez maman. Mais qu'est-ce qu'elle veut, la connasse? Elle s'est pris pourquoi, elle? C'est à toi de choisir. Moi, j'ai répondu, c'est choisi, t'es répudié. Voilà. Mais pas ta mère, tu peux bien t'accrocher. Va te faire reformater le disque mou, enfin, va te faire reformater pour rester poli. Chère cousine. Ça commence par cher Christophe, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se prennent pourquoi, là? On bouffe tous, la bouche, voilà le carbu, on chie tous, voilà l'échappement. C'est pas raison d'être trou de cul sur pattes, hein. C'est pas. Faut arrêter là. Là, faut arrêter. Hein. Faut pas gonfler tel éternel. Hein. Attends, bon. Oh. Je suis long à me foutre en colère, mais. J'ai jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Bon. Qu'est-ce sous-merde de l'humanité, putain. Protocole de mes couilles. Oh putain, ça m'énerve, c'est formaté du bocal. Là. Vous voyez pas que c'est de la merde la télé? Vous voyez pas qu'on vous apprend que de la merde depuis que vous êtes petit? C'est pas ça la vie sur Terre. C'est le règne de Satan. Et moi je l'emmerde, le mal je le cloue, je le scotche, je l'encule. Tu vois? Chaque fois que je suis de bonne humeur, faut que c'est quelque chose qui me fasse chier. Déjà que j'ai rien, que les mégots par terre, qu'il pleut, qu'il n'y a rien. Moi, je cotise pas pour des fils de pute d'État corrompu, d'accord? L'ordre de mes couilles, là, c'est comme le escrozy, chevalier de la rôtissoire. Tu vas voir la rôtissoire, comment que ça va faire. Oh, faut arrêter maintenant, hein.